Bonsoir chers amis, bonsoir pour ceux qui regardent l'émission en live. J'en ai quelques minutes de retard, c'est moi qui avais envoyé les mauvaises informations pendant le temps de Martin. Donc on a eu quelques difficultés à se connecter, mais c'est moi qui suis fautif. Donc pour ceux qui me regardent en live, désolé pour ce petit retard de 10 minutes. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 16 janvier et je reçois, vous le savez, Paul-Antoine Martin. Bonsoir Paul-Antoine, comment allez-vous? Bonsoir Nicolas, très bien, ça va. Bon, tant mieux. En tout cas, merci. Hein. Vous avez eu des galères de train. Et bien, finalement, on se retrouve là. On va pouvoir parler de la caste d'État. Merci. En tout cas, on vous avait reçu notamment dans l'excellente matinale Ligne Droite avec Clémence Oudéa-Kova. Et je voulais qu'on prolonge la discussion ensemble tous les deux. Bien entendu, pas parce que l'émission sur Ligne Droite n'est pas intéressante, mais on a un peu plus de temps ici pour parler de tout ça, bien entendu. Paul-Antoine Martin, vous avez sorti un livre très, très intéressant, Le Clan des Seigneurs, une plongée sidérante au cœur d'une caste d'État, aux éditions Max Milo. Franchement, c'est un bouquin qui mérite, bien entendu, vous allez me le dire, qui mérite d'être lu, bien entendu, mais qui peut faire des ravages dans la population, parce que concrètement, on va parler de ça. Donc, pour commencer immédiatement, je voudrais qu'on définisse dès le début, vous, déjà un peu rapidement, votre itinéraire, comment vous avez connu et comment vous avez pu observer cette caste d'État. Et deuxième question, bien sûr, et non pas subsidiaire, mais quelle est cette caste d'État et quels sont les corps aujourd'hui qui constituent la caste dont vous parlez, Paul-Antoine Martin ? Eh bien, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, moi je suis ingénieur de formation. Et dans le cours de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le privé, dans des grands groupes multinationales, et puis j'ai travaillé aussi dans ce qu'on appelle le parapublic, qui est dans des établissements publics, c'est-à-dire dans des établissements qui sont, les salariés ont un contrat de droit privé, oui. Mais l'établissement et appartient en fait à 100% à l'État. C'est comme si c'était une société, une SARL, dont les actionnaires étaient à 100% l'État. Voilà. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu à côtoyer en fait cette caste, comme je l'ai écrit, puisque moi, j'étais membre d'un directoire d'un des grands ports français. Et j'ai aussi été président d'une petite société ferroviaire. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu à côtoyer, et puis aussi parce qu'à un moment donné, j'ai été directeur général par intérim pendant plusieurs mois, j'ai eu à côtoyer des membres de l'ENA régulièrement, et puis des membres du corps des ponts. Voilà. Donc c'est ce que je décris en fait dans mon livre. Je décris en fait cette entrée dans ce monde un peu particulier et qui me sidère d'un coup. Alors, c'est intéressant parce que vous avez choisi la fiction pour en parler. Et vous avez fait un personnage qui regroupe finalement plusieurs personnages, notamment le personnage d'Urcy, qui est haut fonctionnaire nommé par décret présidentiel. C'est intéressant, finalement, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il est vaste, et merci beaucoup, vous êtes très nombreux déjà ce soir sur cette émission avec Paul-Antoine Martin. Concrètement, cette caste, comment on la définit? Il y a plusieurs corps, ça c'est intéressant, ces corps-là qui sont quand même au-dessus de la mêlée démocratique et de la populace dont je fais partie, cher Pierre-Antoine Martin. Mais moi aussi, j'en fais partie. Et voilà, nous en faisons partie, donc c'est pour ça que... Mais vous la connaissez bien, c'est ça qui est intéressant, d'avoir votre regard là-dessus. Alors, ces corps, il y a une multitude de corps, de corps administratifs dans l'administration. Il y en a énormément. Mmh. Mais il en existe trois qui sont, comme vous le dites, largement au-dessus et qui sont les grands corps de l'État qui sont censés, on va dire, produire, entre guillemets, l'élite de l'administration, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont censés mener le pays de la façon la plus optimale possible, à la fois dans le fonctionnement intérieur et dans le fonctionnement extérieur, pour son meilleur rayonnement et pour la meilleure production de richesses du pays. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui sont les plus grands administrateurs de l'État, et ce sont ces gens-là qui sont aussi ingénieurs, ayant à charge de planifier, de construire le meilleur aménagement du pays pour faire en sorte que le pays soit le plus connecté au monde du commerce international, ou le plus intégré intérieurement pour faciliter au maximum le transport intérieur, etc. Alors c'est aussi dans la santé, c'est aussi dans l'industrie, c'est aussi dans l'énergie, c'est aussi, etc. Voilà.
Donc ces gens-là, ces trois grands corps, en fait, c'est les personnes qui sortent de ces corps-là, ou qui, enfin, non, qui appartiennent à ces corps-là, occupent toutes les places aujourd'hui, peu ou prou, des plus hautes places en fait, de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ont les clés du pouvoir administratif en France. Et j'appelle ça dans mon livre, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils se sont entendus sur une sorte de Yalta des corps, un peu comme en 44 ou 45. Ils se sont partagés le gâteau, on va dire. Et finalement, le monde des ports et revient au corps des ponts, le monde de l'énergie revient au corps des mines, le monde de l'industrie aussi au corps des mines, le monde de l'administration des hôpitaux, c'est l'ENA, les finances, l'économie, c'est l'ENA, etc. Voilà, donc il y a une partition du pays en termes administratifs qui s'est opérée pendant les dernières décennies. Et aujourd'hui, donc, chaque corps se comporte, et là je reprends un terme d'Yves Bréchet, qui est un ancien haut commissaire à l'énergie atomique, et le pauvre est dépité quand on le voit en audition devant le La Parlement, commission parlementaire, oui, bien la sûr. commission parlementaire qui s'interroge sur justement la souveraineté, et le mot de souveraineté est fondamental, parce que peut-être que vous souhaiterez en parler, Nicolas, un petit peu plus loin, Oui, bien sûr. mais... Parce que c'est absolument fondamental. Nous la perdons de jour en jour, un peu plus. Bien sûr. Et Et même, je me permets de vous couper par Antoine, mais regardez, vous avez parlé d'Yves Bréchet à juste titre, mais Proglio aussi a balancé, Jean-Charles Lévy aussi a balancé. Donc ces gens, ils ont balancé énormément sur la situation que nous vivons aussi. Donc ça commence à balancer un peu, hein. ils ont fortement balancé, mais quand vous regardez toute l'audition qui dure 2 heures et demie, je crois, ben vous vous rendez compte que les parlementaires qui auditionnent, je ne suis pas certain qu'ils comprennent tout ce que dit Yves Bréchet, et surtout les questions qu'il pose ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux que lui présente. Et donc pour revenir à Yves Bréchet, il dit à un moment donné, il faut que les grands corps d'État, les grands corps techniques de l'État, mais aussi l'ENA, fassent en sorte de mieux former leurs jeunes, plutôt que de se comporter comme des chiens de chasse d'une chasse gardée. Voilà. Et ça résume tout, en fait, de ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu très précisément comment fonctionnait le corps des ponts à l'intérieur du monde portuaire français, mais aussi dans le monde un peu des infrastructures terrestres. Et puis j'ai vu un peu le corps de l'ENA, comment il fonctionnait. Et on est effectivement dans cette image de chien de chasse qui surveille une chasse gardée. Et donc ils ne démordent pas de leur zone réservée. Moi, ce qui m'a été dit à un moment donné, non, vous ne pourrez pas accéder à tel type de poste parce que c'est réservé. Et vous ne pouvez pas y entrer parce que c'est réservé. Alors, bien sûr, vous avez le niveau, etc. Mais non, non, c'est comme ça. Donc, ça sera quelqu'un d'autre. Et ça sera quelqu'un du corps On est des ponts. loin, pour Antoine, on est vraiment loin de la méritocratie, là. C'est terminé. Et dans votre livre, on le voit et on va en parler dans cette émission. On est loin de la méritocratie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le corps, concrètement, et que vous n'avez pas des accointances, et que vous n'êtes pas finalement affidé ou vassalisé, ou en business, vous devez être un peu trivial avec un ou l'autre, ou les autres, finalement, vous n'accéderez jamais à des postes passionnants, prestigieux aussi, hein, et qui sont centraux et qui sont stratégiques, vous allez nous le dire, pour la bonne marche de la France et son développement et sa souveraineté surtout. C'est exactement ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on écoute le discours de Emmanuel Macron du 24 avril 2019, Emmanuel Macron fait souvent des très bons discours où il présente des choses magnifiques à faire. Et bah, des fois, on attend très longtemps avant qu'elles se fassent ou que l'on en reparle. Et là, dans le discours du 24 avril 2019, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui souhaite. Donc, en fait, ce discours du 25 avril 2019, il est en réponse à la crise des Gilets jaunes. Et on voit bien qu'il a compris que les soubresauts, en fait, les forces telluriques qu'ont pu composer, en fait, les Gilets jaunes, répondaient, en fait, ou étaient causés par l'absence, en fait, de lien, d'articulation entre la population et puis cette caste. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant de voir que lui répond à ce mouvement des Gilets jaunes en disant: moi, je souhaite supprimer les grands corps d'État parce que le recrutement crée un biais, parce qu'ils offrent une protection à vie
qui n'a pas de sens et qui en plus n'est pas bénéfique, et on pourra en reparler, je pense, parce que ça c'est très intéressant psychologiquement, n'est pas bénéfique au pays et s'oppose à créer une filière d'excellence. Ce qui fait que cette filière d'excellence qui a été créée au départ, finalement, il y a une perversité qui s'est introduite dans le mode de recrutement qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus filière d'excellence et elle ne répond plus à la méritocratie. Voilà. Donc lui, à ce moment-là, dit, pour continuer, il faut une formation qui soit ouverte au monde académique, ouverte à la recherche, ouverte à l'international. Bref, il faut aussi que le candidat soit soumis à l'épreuve. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. On n'est plus du tout, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et je pense qu'on va en parler ce soir pour montrer tous les biais et tous les défauts en fait, de ce mode de fonctionnement et à quoi ça conduit pour le pays et comment ça détruit notre pays jour après jour. Alors oui, on a parlé bien sûr là, effectivement, de cette définition de la caste. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de mieux comprendre. Et merci à tous d'être si nombreux déjà. Vous êtes plus de 1200 actuellement sur le live. Merci beaucoup. Je reçois, bien entendu, Paul-Antoine Martin, auteur du livre « Le clan des seigneurs, une plongée sidérante au cœur d'une caste d'État » aux éditions Max Milo. Procurez-le-vous vite, effectivement. Alors, je lis les commentaires, mais c'est intéressant d'écouter Paul-Antoine Martin parce que vous allez voir que c'est assez édifiant et on le sait, on s'en doute, mais quand vous en parlez dans votre livre, notamment sous le biais de la fiction, c'est absolument effrayant, édifiant, et on parlera en seconde partie de l'émission, Paul-Antoine Martin, de ce rapport de la caste à la démocratie, et est-ce qu'on peut encore parler de la démocratie dans un pays où, vous parlez de mafia notamment, c'est vous qui parlez de ça, a pris le pouvoir, a pris le contrôle et finalement n'a que faire de la population. Et même la population, ça c'est moi qui le dis, pour Emmanuel Macron, est devenue un véritable ennemi politique. Ça c'est mon avis, c'est pour ça qu'il s'est chargé en char nouveau blindé Centaure 90 et en grenade lacrymogène et tout autre plaisir du maintien de l'ordre. Allez, on commence là-dessus, on continue là-dessus sur le rôle politique de la caste et de ses privilèges. Vous revenez là-dessus en permanence, c'est vous mettez en avant notamment l'impunité de la caste. L'impunité de la caste et la certitude finalement de jamais être emmerdé, quoi qu'il se passe, vraiment, et avec une espèce de collusion entre tout ce beau monde. C'est exactement ça. Alors, avant de répondre pleinement à votre question, Nicolas, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, c'est un récit qui est abordé sous le mode fictionnel, mais tout ce que je dis dedans est vrai. Et tout ce que je dis est basé sur des preuves matérielles dont je dispose. C'est-à-dire que tout est totalement vrai. Et alors, ça peut paraître des faits parfois qui sont anodins ou qui sont un peu particuliers, mais ils décrivent un état d'esprit. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est justement ce qui est à la racine en fait de tout ce délabrement que l'on observe, c'est l'état d'esprit de tous ces gens et pourquoi ils ont cet état d'esprit-là. Mmh. Et c'est à partir de là que l'on comprend effectivement pourquoi, si on continue dans ce mode de recrutement, dans ce mode de fonctionnement de caste, de toute façon, le pays est voué à sa perte. Mmh. Et il n'y en est pas loin, et d'ailleurs, ça va faire écho à l'actualité. Je vous en prie, continuons là-dessus sur l'impunité de la caste d'État. Alors, l'impunité, c'est pour moi, c'est ce que j'ai observé. Parmi tous les privilèges dont ces gens peuvent se prévaloir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'une caste, c'est quoi? Ça se définit par un groupe de personnes qui disposent de privilèges exorbitants par rapport à la population générale et qui ont un regard, comment dire, tout à fait hautain ou distancié par rapport à toute personne qui n'appartient pas au groupe. C'est-à-dire que la caste est totalement entouré d'une frontière qui est d'un côté, quand on est à l'intérieur, on regarde les autres avec grande distance et puis arrogance, on va voir pourquoi, une très grande confiance, et quand on est de l'autre côté, on ne peut pas pénétrer dans ce lieu-là. Alors ce lieu-là, comme ces gens effectivement fonctionnent dans un entre-soi qui est sidérant, comme ils sont tout en haut en fait de la pyramide du pouvoir, ils ont à la fois le moyen de se protéger en produisant un décret ou des choses qui vont bien et qui permettent de se protéger. Ils ont cette possibilité-là.
Et donc, ils vivent dans un univers qui est un univers de totale impunité. C'est un monde un peu merveilleux, voyez, totalement merveilleux. Ils ne risquent rien, strictement rien. Ils sont garantis de la carrière la plus brillante qui soit. Au pire, s'ils font vraiment des dégâts, mais vraiment des gros, hein, très très gros, ils peuvent avoir un petit ralentissement de carrière, mais ils finissent au plus haut niveau. Alors peut-être 2 ou 3 ans après les copains, mais ils finissent au plus haut niveau. Alors, et là, c'est un véritable scandale, parce qu'on trouve des hommes. Alors initialement, tous ces gens qui sont, quand ils étaient étudiants, ils n'ont rien de particulier, mais le système fait que l'entre-soi sidérant, cette fraternité qu'ils construisent entre eux, le fait qu'ils sont dans une psychologie de tous pour un pour tous, et finalement, on s'entreprotège pour monter tous ensemble et obtenir les meilleurs postes. Ces gens-là comment dire, sont dans l'impunité. Voilà, c'est ça que j'ai observé. Et quand on est dans l'impunité, imaginons-nous dans l'impunité. Alors au début, on reste, comment dire, on reste respectueux des normes, respectueux des règles, etc., des lois. Mais quand ça dure pendant des années, des années, des années, et que finalement il ne se passe rien, à un moment donné, quand vous tombez sur un problème, un obstacle que vous n'arrivez pas à dépasser, et bien là, tout est possible. Tout est possible, et c'est ça que l'impunité permet. L'impunité permet 2 choses. Un, déjà, de ne plus regarder dans le sens de l'intérêt collectif. Mais oui. Ça, c'est le gros sujet. C'est-à-dire que on peut se permettre, alors que c'est notre propre mission, de ne pas regarder dans l'intérêt collectif et se permettre de faire fructifier le corps, son propre corps, pour qu'il a, comment dire, grandisse en puissance et qu'il emmène tous ses membres vers les postes encore plus élevés. C'est ça qui est en jeu, en fait, hein, parmi tous ces gens. C'est toujours Et ça pendant qui ce temps, est difficile. finalement, on parle de quoi? On parle là, on parle finalement de quoi? On parle de envie de pouvoir et de cupidité, parce qu'on l'a dit, on va en parler finalement d'avoir perdu le sens de l'intérêt général et même perdu le sens de la France. Donc finalement, c'est quoi? On monte ensemble pour essayer d'aller plus haut, pour continuer à avoir plus de pouvoir et avoir encore plus d'argent finalement et de prébende. C'est ça, grosso modo, le seul objectif de ces gens. Je ne sais pas si c'est l'argent. Moi, Ouais. je n'ai pas eu cette impression-là. Mais c'est le D'accord. pouvoir. OK. C'est le pouvoir. Et puis, c'est autre chose que le pouvoir. C'est aussi la gloire, la gloriole personnelle. C'est aussi d'aller chercher une légion d'honneur. C'est aussi de Ah pouvoir oui. mettre sur sa carte de visite, un titre totalement ronflant. C'est ça que l'impunité produit chez ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous êtes, c'est ça que j'ai voulu montrer psychologiquement, quand vous êtes dans ce genre de système, il y a une sorte de corruption morale, un davachissement intellectuel qui fait que on n'est plus, comment dire, on n'est plus tenté par la curiosité, on n'est plus tenté par l'audace, on n'est plus tenté par le courage, évidemment, puisque quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va bien se passer. Donc, pourquoi à se dépasser? Pourquoi prendre des risques? Ça va bien se passer et on va aller loin. Et en groupe, on va aller encore plus loin. Voilà, donc c'est ça qui se joue. Et à un moment donné, ce que j'exprime, j'ai cette phrase courte, mais qui est percutante, l'impunité libère le vice. Alors, elle est très dure, cette phrase, chez certains. Alors, je ne veux pas non plus, comment dire, généraliser. J'ai pas. Tous ces hauts fonctionnaires ne sont pas aussi, comment dire, ne correspondent pas tous à la description que j'en fais, mais j'en ai vu beaucoup. Et là, et le rapport fait que la masse critique est largement dépassée pour que ce soit cette masse critique-là qui est une véritable, qui colore véritablement l'ensemble de cette population. J'ai vu des gens très très bien, mais ce groupe, en fait, va les évincer parce que ils sont un danger pour eux, parce qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de cette tranquillité. On va dire, ce sont des gens, moi j'ai vu des gens qui se dépassaient. Ils se sont dépassés, ils se sont un peu épuisés aussi, et parce que c'est très très dur de se dépasser quand on est dans un univers comme ça, et donc ils sont partis dans le privé. Voilà. Et cette impunité produit en fait cette
possibilité du vice. Alors ce vice, il va être, à un moment donné, quand je tombe sur un obstacle, je peux ne pas respecter la loi, je peux largement mentir, je peux évidemment manipuler. Et finalement, quand vous n'êtes plus emmené dans la nécessité intellectuelle de se dépasser, vous vous avachissez, et vous, la meilleure façon de dépasser les obstacles, c'est de plus être créatif, mais c'est la manipulation et le mensonge. Voilà. Et j'ai vu des exemples, c'est ce que je décris dans mon livre, donc des exemples de personnages qui sont réduits, qui n'ont aucune créativité, aucune capacité d'innovation. Ils sont à des postes très, très, très élevés. Ils n'ont aucune capacité stratégique, aucune capacité à la vision. Or, c'est le cœur de leur job, c'est de pouvoir prévoir ce que la France sera demain, etc., pour la préparer au mieux aujourd'hui. Et bien ça, ils ne le voient pas, ils ne s'en occupent pas du tout. D'ailleurs, ils s'en fichent complètement. Par contre, ils vont travailler de façon tactique sur des petits sujets, comment gagner un poste, comment amadouer un tel, comment... Et ça, c'est juste des petites pratiques pour grimper à l'arbre un peu mieux. Et donc, la pratique du mensonge et de la manipulation est absolument, voilà, ça je l'ai vu, généralisée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je vois, enfin, au plus haut niveau, on voit une accélération de cette façon de faire. Dans la manipulation aujourd'hui est totalement ultra courante. Le mensonge, plus c'est gros, plus il passe. Enfin, on le voit tous les jours. C'est absolument phénoménal et sidérant. Oui. Ce que j'ai voulu montrer, c'est cet état d'esprit psychologique aujourd'hui. Et ces gens-là, moi j'en ai rencontré un qui vous dit avec le sourire et presque avec arrogance, mais moi mon métier, c'est de vous manipuler. Vous voyez, c'est simple, mais je pense que le président pourrait dire la même chose. Ouais, c'est édifiant ce livre-là. Franchement, c'est édifiant parce que vous, c'était vraiment un témoignage sous le coup de la fiction, bien entendu. Et lisez-le, bien entendu, ce livre, chers amis. Vous êtes très nombreux. Tout est vrai. Ouais. Les paroles sont vraies. Tout est vrai. C'est pour ça qu'il faut absolument le lire et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir pour l'entendre. Martin, merci beaucoup. Vous êtes déjà plus de 1400 sur le live. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Hein. Ça fait beaucoup réagir cet entretien. Beaucoup, beaucoup forcément avec l'actualité politique et aussi la dégradation de ce pays qui est en train de sombrer, faut-il le dire, dans tous ces secteurs notamment. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une passerelle entre votre expérience, votre regard pour l'entendre Martin et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même l'impression qu'il y a quand même un effet de miroir là qui est assez effrayant et on a l'impression aussi que ce pays est en train peut-être d'arriver au bout de la bobine politique et technocratique de ce que vous avez vécu, vous, au cœur de ça. Une question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, parce qu'elle me passionne toujours, je la pose souvent dans ces sujets-là, notamment à mes invités politiques et puis à mes invités qui écrivent des livres là-dessus et qui réfléchissent, qui sont des observateurs. Conservateur, bien sûr. Comment vous expliquez-vous concrètement le passage de cette élite, française qui a structuré ce pays ? Parce que l'élite, elle a été à un moment donné. L'élite, c'est pas un gros mot. Je sais que mes téléspectateurs maintenant le voient comme un gros mot, mais à une certaine époque, ça a été important d'avoir une élite qui structure un pays, qui le porte, qui défend les intérêts de citoyens. Et comment vous expliquez-vous, avec votre expérience, comment ces gens sont devenus cupides ? Comment ces gens n'ont servi que des intérêts personnels et privés ? Comment il se fait ce basculement concrètement, selon vous ? Alors, effectivement, le mot élite est un très beau mot. C'est un mot qui produisait l'admiration chez la population. Et c'est le fondement du contrat social dans un pays. Vous avez une élite qui est là pour construire le pays, pour préparer le pays au futur, et une population qui lui fait confiance. Et cette articulation, elle est fondamentale dans un pays. La confiance, parce que la population, elle ne peut pas être associée à toutes les grandes décisions, les décisions stratégiques. Donc, il y a un lien de confiance qui se fait entre la population et l'élite. Et ce lien-là, c'est le contrat social. C'est fondamental dans un pays qui veut vivre en paix et qui veut vivre de façon sereine. Quand ce contrat social commence à être chahuté, quand il commence à s'effriter, à se détruire comme on le voit aujourd'hui, c'est là que les choses deviennent très compliquées. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Je le raconte aussi dans mon livre, c'est-à-dire qu'en 1946, il a fallu reconstruire, on a réfléchi à comment recruter des élites. Et donc c'est comme ça qu'on a, parce que le général de Gaulle avec Michel Debré ont voulu construire l'ENA. Et l'ENA s'est construit avec l'idée qu'il fallait des hommes intellectuellement très capables pour gérer la complexité d'un monde de plus en plus difficile à appréhender, mais aussi des hommes qui soient capables, comment dire, de comprendre ce monde. C'est édifiant. Enfin, on ne peut pas comprendre le monde quand on le regarde au travers de tableaux Excel. Ça ne marche pas. Bien sûr. On fait semblant, on fait semblant, Ouais. mais à un moment donné, les choses vont, enfin, on va se fracasser. Et donc, ils ont réfléchi à un mode de recrutement qui avait deux grands paramètres, l'acuité intellectuelle et aussi une expérience de vie qui était basée sur soit un passage dans les camps, soit un passage au front. Donc des expériences, alors évidemment, tout ça aujourd'hui, on ne le connaît pas, mais des expériences qui forgent des personnes. C'est-à-dire, et c'est ce que dit Emmanuel Macron dans son discours du 24 avril, il dit, il faut que le candidat soit éprouvé, qu'il subisse des épreuves. Et on voit comme ça comment il réagit à la fois de façon courageuse ou pas, si il est capable d'avoir une vraie foi dans son pays. Parce que le haut fonctionnaire, son job, il doit, tout son métier doit être irrigué par la foi dans son pays. S'il n'a plus foi dans son pays, c'est fini, il ne produira rien. Et aujourd'hui, moi, ceux que j'ai vus n'ont aucune foi dans leur pays. Et c'est le cynisme dont je parle. C'est-à-dire que ces gens-là ont développé, à la place de la foi dans leur pays, un cynisme qui fait que la seule foi qu'ils ont, c'est cette seule façon de se tourner vers quelque chose de plus grand, ben, ils le limitent à leur corps d'État. Voilà. Et donc, c'est quand même très, très réducteur. Mais c'est ce qu'on observe, et ça ne peut pas construire un pays. Ça ne peut pas permettre de le développer. Alors, donc c'est comme ça que ça a démarré, avec ce type de formation-là, ce type de recrutement, et ça a produit des gens qui ont vraiment travaillé pour construire le pays. Et on vit encore aujourd'hui, c'est dire à quel point ils ont été extraordinaires. On vit aujourd'hui avec des infrastructures qui ont été pensées à l'époque, etc., jusque dans les années 80 ou 75, 80. Et puis, petit à petit, ben, tous ces gens-là sont partis. La génération est passée, on a recruté des gens qui avaient eu moins d'épreuves dans leur vie. Et aujourd'hui, ben, une population qui est recrutée uniquement par une aptitude intellectuelle à un concours, et ça ne produit pas des gens qui connaissent le pays, qui savent percevoir les choses, qui voilà, etc. Quand moi j'entends la ministre Pannier-Runacher dire que travailler à la chaîne, c'est pour la C'est magie. magique, c'est la magie, ouais. Mais rien que de dire une chose comme ça veut dire qu'elle n'est jamais rentrée dans une usine. Non. Un ministre à ce niveau-là, qui travaille justement sur l'industrie, qui n'a jamais mis les pieds dans une usine ou compris comment ça fonctionne, ou la souffrance qu'on peut y trouver, ou au contraire le bonheur, la joie qu'on peut y trouver aussi par la fraternité, etc. Moi, je sais, j'ai travaillé en 3-8 pendant un certain temps dans des conditions très difficiles. Et bien, quand j'entends c'est pour la magie, je dis cette dame, elle n'a rien à faire en tant que ministre. Elle n'a rien à faire en tant que ministre, qu'elle travaille sur des choses complexes, mais pas en tant que ministre, c'est pas possible, elle peut pas être à la tête de l'État. Sans compter que si elle le pensait vraiment, en plus, parce que c'est une Oui. grosse bêtise, elle Il aurait y a ça pu aussi. s'abstenir de le dire. En plus, elle aurait pu s'abstenir de le dire. Et en plus, elle l'a dit, vous le rappelez, mais elle le dit en plus dans une espèce de réunion de start-upers, dans une espèce de meeting, comme aime bien la faire Macronie, avec un petit micro et avec une musique derrière entraînante. En fait, on est quand même chez les grands malades, ces gens sont fous. Je voulais vous poser une question aussi, Antoine. Est-ce que aussi, vous parlez de cynisme, c'est intéressant. Est-ce qu'aussi on peut y voir, et est-ce que c'est votre analyse aussi, d'une certaine forme d'effondrement intellectuel aussi? C'est une idée que moi je partage pour, de fait de mon travail, voir des députés, connaître des hommes politiques, et j'ai quand même l'impression, ne serait-ce qu'on voit les députés, certains, une nouvelle fois, ne généralisons pas, mais il y a quand même aussi un effondrement intellectuel et culturel, peut-être depuis 20 ou 30 ans, qui fait que le cynisme, finalement, on prend le pas sur l'intelligence, sur le savoir-faire et surtout sur le bon sens. Sur le bon sens.
Alors effectivement, la notion de bon sens est essentielle parce qu'on ne peut pas être à ce niveau sans avoir un minimum de bon sens. Le bon sens, c'est ce qui va permettre des décisions qui seront adaptées au pays, adaptées à la population, quel que soit le pan administratif dans lequel ces gens peuvent œuvrer. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, hein, il y a un effondrement intellectuel et culturel qui est phénoménal. Moi, j'ai découvert des gens qui, quand vous leur parlez d'un livre, pas forcément très compliqué, qui vous répondent, bah, tu sais, moi je suis BD, hein, moi je. Et puis ensuite, dans leur vision du monde, bah, toute leur vision du monde, elle passe à travers Astérix et Obélix, vous voyez. Donc c'est très bien, Astérix et Obélix, c'est très très bien. Mais quand on est à ce niveau-là, quand on est à ce niveau, on ne peut pas se permettre une telle, comment dire, une telle. Trop culturel, parce que c'est un abîme culturel. Ces gens-là n'ont intérieurement aucune culture et intellectuellement, ils n'ont pas de curiosité. Ils n'ont pas d'envie. C'est-à-dire qu'ils vont très vite. Ce qui va faire chez eux, quand vous n'avez pas de choses qui vous structurent, quand vous n'avez pas. Ben, vous n'avez pas de conviction. Donc vous êtes, comme ils disent, et c'est devenu, et ça c'est un signe. Vous êtes devenu très souple. Alors, être très souple, c'est la grande qualité du haut fonctionnaire. Ça, c'est la très, Flexible. très grande. Il y en a deux. C'est être souple et habile. Voilà, souple, ça veut dire, bah, tu changes de conviction demain si je l'exige. Et on le voit, nos ministres. Ah Ils oui, fermaient ça. les centrales, ils fermaient les centrales nucléaires il y a 2 ans. Maintenant, on les réouvre toutes et on veut en construire 10. Et les mêmes. Les mêmes disent ça, et sur tous les sujets. Donc ça s'appelle la souplesse chez eux. Donc c'est-à-dire que je ne dois jamais avoir de conviction. Et la conviction, elle se construit par la culture, elle se construit par la curiosité, elle se construit par un appétit intellectuel. L'expérience, Paul Antoine, l'expérience. L'expérience, voilà. Quand vous L'expérience. rôdez que dans des couloirs de ministères ou dans des cocktails, parce que c'est très courant. Ça fait pas l'expérience, ou ça fait une expérience, mais pas la bonne. Non. Voilà, c'est pas la bonne. Alors, donc, on parlait d'effondrement, ça produit aussi le conformisme, puisqu'il n'y a plus de conviction, ça produit l'immobilisme. Et ils ont produit, ils arrivent, et c'est ce que je décris dans mon livre à un moment donné, je me suis amusé à essayer de nommer ça, ils produisent, on va dire, une forme d'action immobile. Vous voyez, c'est en fait, c'est comment fait la majorité, je vais faire comme elle, comme ça. Même si je me trompe, eh ben on ne dit jamais à la majorité qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait une faute. On dit à celui qui était tout seul et qui s'est trompé qu'il a fait une faute. Donc, ils vont avoir le nez très fin, ils ont une intuition qui est très bonne, et ils vont faire en fait ce que les autres font ou ce que les autres pensent. Donc, en fait, moi j'ai vu des gens qui sont assez grégaires dans le mode de fonctionnement, à la fois intellectuel et puis en termes d'action. Donc, ça ne peut pas forger des hommes qui vont avoir de l'audace, qui vont. Alors, on ne demande pas des Bonaparte, évidemment, mais qui sont capables de produire des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé, parce que, ben, oui, à un moment donné, il faut sortir du cadre. Ils sont tous dans le même cadre et surtout, ils ne veulent pas en sortir. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est à la fois terrifiant et on va en parler parce qu'on fera la dernière partie d'émission. Finalement, on essaiera d'avoir, enfin, on aura votre avis. Je vous demanderai notamment la situation de la France aujourd'hui qui revient typiquement à ce que vous racontez, cet effondrement intellectuel et la situation de la France aujourd'hui dans cet effondrement généralisé de la France. Et ça, c'est une idée que je maintiens et que j'assume. Est-ce qu'elle n'est pas liée aussi à ça maintenant? Est-ce qu'on n'arrive pas au fond à la fin de la bobine? Une question qui me taraude quand j'ai lu votre livre et que j'ai préparé et que j'ai préparé notre interview. Finalement, comment vous pouvez expliquer finalement, revenons à la crise sanitaire, on sait que McKinsey a pris les rênes du ministère de la Santé, très clairement, avec des adresses e-mail qui ont été créées pour eux au sein Et même pas du seulement en ministère. France, et pas seulement en Ouais, France. oui, partout, McKinsey était partout, partout ils étaient. Mais en France, comment vous expliquez, Partout. Paul-Antoine, finalement, que McKinsey débarque et que ces mêmes gens-là, dont vous parlez, que vous connaissez, que vous avez côtoyé, que vous connaissez parfaitement, ont accepté que les trois pièces de McKinsey, les hommes gris, viennent prendre leur place finalement. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est des copains? Ils se connaissent? Est-ce qu'il y a une cohabitation? Parce que ça m'étonne, moi, entre ce qu'on sait de cette caste et des cabinets américains qui débarquent dans les ministères et qui prennent les rênes de tout.
Oui, vous avez raison. Oh oui, ils se connaissent, bien sûr, ils se connaissent. Et c'est peut-être des cabinets américains, mais ce n'est pas des Américains qui sont à la tête. Ce sont des hommes qui sortent des mêmes écoles. Et ils se connaissent parce qu'ils ont été sur les mêmes bancs de l'école polytechnique ou de l'ENA, etc. Donc ces gens, entre eux, ils ont confiance. Ce que je pense, moi, après y avoir réfléchi, c'est la chose suivante. C'est que cet effondrement intellectuel, cette corruption morale, ce fonctionnement mafieux, cette incapacité à penser, comment dire, à penser la autrement que la majorité des membres de ce groupe, fait qu'aujourd'hui ils sont emportés en fait dans ce libéralisme, dans cet ultra-libéralisme. C'est super facile d'être ultra-libéral quand vous risquez rien, quand vous prenez les décisions pour les autres. Et quand vous avez les moyens, pendant toi, Et quand oui, vous avez les vous avez les moyens moyens, financiers, et vous vous êtes dans avez les moyens, l'impunité. Et vous êtes dans bien sûr. l'impunité, ça ne vous touchera jamais, c'est très Oui, facile. bien sûr. Alors, donc, je pense qu'ils sont séduits par ce mouvement-là. Et la meilleure façon, en fait, de comment dire, de l'infiltrer dans toute administration, c'est d'aller chercher des cabinets qui, eux, sont totalement, comment dire, totalement convaincus par ce mode comment dire, par ce mode de réflexion. Et je pense que le fait d'aller chercher ce genre de cabinet, plutôt que d'aller chercher en interne parmi toute la fonction publique qui est capable de faire ce genre de choses, Bien sûr. certainement. C'est aussi pour commencer à colorer l'État, colorer les décisions de cet ultralibéralisme en disant, mais il n'y a pas d'autre façon de faire finalement. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est quand on veut, dans ce monde-là, quand on veut, alors ça c'est de la manipulation, hein, quand on veut imposer de façon soft une décision à ses services, c'est qu'on va chercher un cabinet. Alors, avec un gros tampon qui permet de te faire penser qu'il y a beaucoup d'intelligence derrière, et de voir avec eux la conclusion à laquelle on veut arriver, les laisser remplir les slides, et puis ils arrivent avec la bonne conclusion, et puis on dit, ben voilà, l'étude a montré que c'est montrer la même chose que ce que je voulais qu'on fasse en interne. Oui, Et bien sûr. c'est classiquement toujours le même fonctionnement, c'est de la manipulation, et je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui doivent être totalement dépités de ce mode de fonctionnement. Ça doit créer comment dire, une démotivation interne qui doit être sidérale, enfin, sidérale, oui, je pense. Ça doit être très impressionnant. Mais c'est le meilleur moyen aussi de casser l'administration, vous voyez? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez des gens qui n'ont même plus envie. Je pense que ça crée tout ça aussi. Mais tout ça est forcément pensé. Forcément pensé. Ça fait partie de la manipulation. Je voulais vous poser une question, faire un peu de politique fiction. Imaginons l'espace d'un instant que ce gouvernement soit destitué ou ce gouvernement soit renversé par les tensions sociales qui arrivent là aujourd'hui, l'effondrement du pays, parce qu'on parle d'effondrement, il n'y a pas que la réforme des retraites, c'est un véritable effondrement du pays. Imaginons qu'un nouveau pouvoir arrive, de nouvelles élections, ou peut-être, peu importe, est-ce que des gens qui seraient avec beaucoup de probité, des gens épris de la France, amoureux de la France, une nouvelle élite qui reprendrait en main les rênes du pouvoir, est-ce qu'ils pourraient faire sans eux, Paul-Antoine? Est-ce qu'un nouveau pouvoir de gens convaincus et amoureux de la France pourrait faire sans ces corps, concrètement, selon vous? Ben, du jour au lendemain, non. Du jour au lendemain, non, puisqu'ils tiennent. Ils tiennent tout le système. Et le système est ultra complexe. Et ils l'ont rendu aussi ultra complexe. Ce qui fait que ces gens-là sont devenus non pas des grands visionnaires, des grands stratèges pour le pays. Non, ils sont devenus des ultra-techniciens de la procédure administrative, des circuits administratifs. C'est très impressionnant. Moi, j'ai vu des véritables artistes du circuit administratif. C'est très impressionnant. Et d'ailleurs, à ces postes-là, il faut ce genre de gens. Enfin, c'est-à-dire que l'effet ultra pervers, c'est que non, on ne va pas chercher chez quelqu'un qui pourrait être candidat à ce poste-là à une capacité stratégique. Non, par contre, est-ce qu'il a le bon réseau à l'intérieur de l'administration pour faire et faire passer et faire en sorte que ces idées, comment dire, ne soit pas trop contrôlé, on va dire. Voilà, je dis comme ça. Mais moi, j'ai vu des choses hallucinantes. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui
construire un projet de grande ampleur, de dizaines de millions, centaines de millions, sans fondement économique, en mentant sur les emplois, comment dire, promis par le projet, en mentant sur le budget, en mentant sur à peu près tout, et aucun organe de contrôle n'y voit quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça passe à travers tous les filtres. Je peux vous dire que c'est sidérant, hein. C'est absolument sidérant. Et vous voyez les filtres, en fait, se focaliser sur des micro-sujets et laisser à côté passer l'éléphant dans le couloir et se focaliser sur la fourmi qui se trouve à côté et débattre pendant des semaines sur des sujets qui n'ont aucun sens. Et à côté de ça, vous faites passer un projet qui n'a aucun fondement économique et qui produit des mensonges dans sa justification qui sont ultra évidents, mais que personne ne voit. Et je me dis, multiplié à l'échelle du pays, ce sont des milliards, des dizaines, des centaines de milliards qui partent en fumée. Pour faire quoi? Et ça pose vraiment question. Et donc ça, c'est à mettre en rapport avec vous parliez de collusion à un moment donné. Ça montre que le pays, en tout cas, est pas correctement préparé pour l'avenir. Donc, effectivement, il ne va pas être correctement préparé aux immenses défis aujourd'hui du 21e siècle. Et on voit bien que tous les pans de l'administration s'effondrent les uns après les autres, ou même en même temps, d'ailleurs. C'est en même temps. Oui, en même temps. Et c'est ça qui est terrible. Finalement, vous ne donnez pas beaucoup d'espoir, ou du moins, il va falloir beaucoup de patience. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je vous reçois aussi, parce que c'est cette immersion au sein de cette autre administration, des corps, comme on les appelle. C'est intéressant, parce que finalement, on se rend compte qu'ils sont là, et qu'aujourd'hui, question, et après on passera sur un autre thème, finalement, aujourd'hui, bon, Emmanuel Macron, lui, vient de l'inspection des finances, on n'a pas l'impression, il fait partie du même monde, finalement, Emmanuel Macron. Donc, on a l'impression il doit plutôt bien s'arranger avec eux et ça doit plutôt lui convenir, Emmanuel Macron, parce qu'il fait partie de la caste d'État aussi, Macron. Il faut être clair là-dessus. Ça, évidemment, est de la plus belle. C'est l'inspection des finances. Effectivement, il a la mainmise sur l'ensemble de cette administration de façon assez facile parce qu'il a le super label. Alors après, est-ce qu'il est complètement honnête, sincère quand il dit je veux voir la disparition des grands corps d'État? On verra. On verra. Chacun peut avoir sa propre opinion. Moi, ce que je voulais aborder un point pour aussi montrer à vos auditeurs l'analyse que j'ai faite sur comment ce système produit ce que l'on est en train de vivre. Alors, j'ai un ami il y a quelques jours qui m'a envoyé un lien absolument intéressant sur un sujet, c'est-à-dire comment décrire le mode de reproduction de ce système. Voilà. Et donc, ça s'appelle la kakistocratie. Nous serions cette haute fonction publique correspondrait à la kakistocratie. Qu'est-ce que signifie la kakistocratie? Donc, c'est un système qui est kakistos, un mot grec basé sur le pire, et kratos, le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que on produit le pire pouvoir comment? Soit, donc, quand une organisation fonctionne, a priori, elle essaie pour être la plus productive, valable et efficace possible de promouvoir les meilleurs. Quand vous promouvez les meilleurs, le problème, quand vous promouvez quelqu'un qui est très bon, c'est qu'il juge ça normal. Vous allez voir vers quoi je veux aller. Il juge ça normal, c'est-à-dire que en fait, lui, il n'estime pas avoir une dette particulière vis-à-vis de son supérieur, puisque la promotion, il considère qu'il la mérite. Par contre, quand vous commencez à être plus malin, manipulateur, et que vous allez commencer à renverser les valeurs dans une entreprise ou dans une organisation, et que vous allez promouvoir les mauvais, quand vous promouvez les mauvais,
Le mauvais, il sait bien qu'il est mauvais. Bon, Oui. bah, sauf les très orgueilleux, mais bon. Oui. Il se retrouve promu. Et il se crée entre celui qui promeut et celui qui est promu une dette. C'est-à-dire que celui qui est promu devient débiteur par rapport à celui qui l'a promu. Et ça permet, comment dire, de se construire, en fait, quand on n'est pas très bon en tant que aux fonctions publiques. Aux fonctionnaires, on va dire, et qu'on est dans cet avachissement intellectuel peu curieux, etc., en promouvant les mauvais, vous vous garantissez une sorte de barricade autour de vous, ce qui fait que vous n'avez que des gens qui vous sont débiteurs et que Oui. vous pouvez actionner quand vous voulez. Et comme ça, vous pouvez rester en place sans difficulté, alors que si vous aviez promu que des très bons, ben les très bons auraient pu vous chahuter, et puis à un moment donné, je ne veux pas reprendre le nom de votre émission, mais produire un putsch, vous voyez. Ouais. Donc, c'est tout le risque. Et Ouais. imaginez un système qui fonctionne généralement comme cela. Ouais. On finit par avoir pas forcément les bons hommes au bon poste, et vous construisez un système qui, ben, vivote, se reproduit, et perpétue une médiocrité à l'intérieur de lui-même, qui fait que ces gens ont des noms très ronflants, mais à la fin, ils produisent, on se demande quoi. Vous voyez? Et produire la médiocrité dans un monde ultra complexe qui va ultra vite, ça pardonne pas. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette kakistocratie, on va dire, ou cette idiocratie, c'est à peu près la même chose, qui fait que la promotion des mauvais, quand vous êtes plus du tout connectés au réel, et beaucoup de ces gens-là ne sont plus connectés au réel. Ils vont pas chercher à faire en sorte que le réel s'améliore, c'est plus leur objectif. Ils vont faire en sorte que le réel corresponde à leur idée qu'ils en ont. Et la meilleure façon comment dire, de s'installer dans ce genre de fonctionnement, c'est de se mettre aussi une barricade autour d'eux, d'être protégés, parce que bon, bah, à la fin, ils vont se tromper. Ouais, c'est intéressant hein, parce que y a plein de choses à comprendre. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes plus de 1500 sur le live ce soir. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup de commentaires à vos propos. Beaucoup de gens qui réagissent. Merci. En tout cas, vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à partager, liker. Aidez-nous aussi. Vous avez des liens qui passent sur Tipeee pour nous permettre de continuer à produire des émissions, pour nous permettre de continuer à recevoir des gens qui parlent comme pas longtemps Martin, qui nous parle de sujets passionnants, qui nous touchent aujourd'hui. Et vous allez voir, la dernière partie de l'émission vraiment va être axée sur l'actualité, mais on va toujours continuer à parler de ça. J'ai une question, pour l'entendre Martin, notamment dans votre livre, vous parlez notamment de la réforme des retraites, pas celle de maintenant, celle qui a été en 2019 par Édouard Philippe. Et il y a un haut fonctionnaire finalement qui a l'air de s'en moquer comme de l'an 40 parce que lui, il aura une bonne retraite. Et surtout, ce qui l'emmerde, c'est les grèves parce qu'il ne pourra pas aller à un match de foot, j'imagine. C'est dingue ce passage dans votre livre. Ben oui, c'est dingue, comme beaucoup d'autres passages. Ouais. Effectivement, c'est sidérant. Vous êtes face à quelqu'un qui fait partie de la grande armature, en fait, de l'État, mais qui vous répond en rigolant, mais moi, je ne me sens pas concerné par la réforme des retraites. Parce que ben, moi, toutes les années que j'ai passées dans mes études, ben, elles comptent pour la retraite, donc il n'y a pas de problème. Et ces gens-là ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de l'énormité qu'ils peuvent dire. Et des énormités, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup. Parce que ils sont dans cet état d'esprit qui est sidérant, qui est déconnecté, qui est je ne m'intéresse pas à l'autre, je m'intéresse surtout à moi, à comment je peux améliorer ma carrière. Vous voyez, quand on est dans cet univers-là, la mafia, c'est un univers qui est un pouvoir comment dire, à l'intérieur d'un autre pouvoir plus large. Et qui tente comment dire, de sortir des griffes du pouvoir plus important, du pouvoir étatique. Et donc ce corps-là fonctionne avec un parrain, avec chaque strate fait allégeance à la strate au-dessus. Ces gens sont dans la chasse gardée, comme je disais, et ils sont autistes à tous ceux qui sont en dehors de ça, autistes à tous ceux qui peuvent avoir d'autres formes de compétences. Ils vont les juger comme inutiles parce que eux, ils ne pensent plus du tout à intérêt collectif, ils pensent à intérêt du corps. Donc effectivement, dans cet univers-là, les autres compétences ne servent à rien. Je me rappelle, pour donner un autre exemple aux auditeurs,
J'ai assisté à la conférence d'un homme qui est prénobélisable en économie. Donc, vraiment une pointure, une grande intelligence, une grande clarté, etc. Et un de ces personnages était présent. Et puis à la fin, je le vois et il me dit « C'est nul, on ne comprend rien, c'est nul. » Et moi, j'avais trouvé ça brillant. Mais, et donc, il avait en trois mots réduit cette conférence qui était remarquable en « C'est nul, j'y comprends rien. » Voilà. Et il était parti. Donc là, on est au niveau de la curiosité nulle et surtout de la remise en question nulle. Vous voyez, il y a à la fois l'autisme, la remise en question nulle, et puis je me rends même pas compte de l'énormité de ce que je dis, quoi. Alors C'est ça surtout. ben, ça dit beaucoup de choses en fait. Ça dit beaucoup de choses sur en Alors, fait. Oui, non, pardon. oui, je voulais qu'on parle de la dernière partie de l'émission là-dessus. Effectivement, c'est intéressant parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est notre rapport, le rapport de la caste à la démocratie. D'une part, et première question, c'est l'idée même de dire, est-ce que collectivement, nous, Français, citoyens, pour ceux qui sont citoyens et qui s'intéressent aux affaires de la cité, aux affaires de la nation, est-ce qu'on n'est pas un peu responsable aussi de la constitution de cette caste, ou est-ce que vraiment, concrètement, on ne peut rien y faire parce que c'est dans les arcanes du pouvoir, et quel est le rapport là, de la responsabilité citoyenne, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs aucune. Il y a une responsabilité citoyenne, elle est, comment dire, elle est difficile comment dire, à estimer, mais elle passe par les politiques. Si les politiques ont une exigence, une vraie exigence vis-à-vis de ces hommes-là, une exigence qui impose que le corporatisme n'existe pas, qui impose à ces gens-là d'avoir une véritable curiosité intellectuelle, de les forcer à aller voir ailleurs, de les forcer à être audacieux, courageux, etc. La caste n'a aucune raison de fonctionner comme ça. C'est parce qu'il y a cette libéralité entre politique et aux fonctionnaires, parce que c'est extrêmement poreux entre les deux. Donc, ils ont besoin les uns des autres. Et bilan, ça s'est construit au fil des années. Il y a une sorte d'équilibre osmotique qui s'est construit. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu des politiques qui se complaisent avec un système comme ça. Donc, le politique, lui, va utiliser ce système-là aussi. Vous voyez, le politique, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, c'est sa grande qualité. Donc, il va utiliser ce système-là. Et moi, j'ai vu des politiques assister à des réunions assez lunaires, dans lesquelles, effectivement, des projets étaient présentés ou des actions étaient présentées extrêmement coûteuses, mais qui servaient à rien. Et les politiques sortir de cette réunion-là et dire, mais moi, je n'ai pas intérêt à dire ou à contester, parce que moi, ce que je voudrais, c'est faire avancer tel autre sujet pour lequel le haut fonctionnaire qui vient de parler est pour. Donc, finalement, il y a une libéralité qui, je pense que personne n'est vraiment dupe. Et à un moment donné, alors, ce qui se fait aussi, c'est qu'il y a probablement aussi un avachissement intellectuel de beaucoup de politiques, hein, ce qui fait que l'ensemble se complaît bien dans ce milieu. Et à un moment donné, moi j'ai vu, je raconte aussi dans mon livre, une scène au ministère où je présentais avec le ministre des actions. Et le ministre était enchanté par les actions, il avait préparé un communiqué de presse pour dire à l'ensemble en fait, des grands ports de France d'appliquer les actions en question, et j'étais chargé de les présenter en conférence au ministère. Et donc ça s'est passé, le moment s'est passé, les journalistes étaient là, tous les hauts fonctionnaires étaient là, ils étaient venus, et j'ai eu l'impression en sortant que chacun avait joué finalement un jeu. Le ministre savait, parce qu'il était sur le temps court, que ça ne serait pas appliqué. Les hauts fonctionnaires savaient que le ministre savait qu'il ne l'appliquerait pas et ils sont repartis, ils ne l'ont pas appliqué. Et les journalistes savaient que les uns savaient que l'autre savait. Mais toute cette bulle a fonctionné, chacun a rempli sa mission. Et à la fin, ben, il ne s'est rien passé. Alors que il y avait on était plusieurs à essayer de faire passer des idées vraiment innovantes, nouvelles, et qui surtout fonctionnent dans d'autres pays. On était allé les chercher dans d'autres pays, c'est ça qui est terrible. Et on était dépité en sortant de ça, absolument dépité en se disant, mais comment on peut arriver à faire passer des idées dans ce pays? Ce qui est fou, vous voyez, c'est que on a des hauts fonctionnaires qui peuvent piloter des organes dans l'administration publique totalement en relation avec l'étranger, comme des grands ports,
et qui ne parlent, sont pas capables de faire une phrase en anglais. Ouais. Donc, ils ne sont pas capables de recevoir un client. Et comme ils ne savent pas parler anglais, ben, ils ne vont pas à l'étranger. Sauf quand la destination est sympa. Hein. Mais aller en Hollande, aller en Allemagne, aller visiter des ports qui sont des machines de guerre là-bas et qui produisent des ressources, des richesses fantastiques pour le pays et des emplois de façon considérable, ben non, on n'y va pas. On n'y va pas et on reste dans un entre-soi, c'est-à-dire qui est sympa à vivre certainement, puisqu'ils sont tous ensemble. Et je donne un exemple au tout début, où quand je découvre donc le lieu où ils se réunissent, ben je découvre qu'ils se sont fait photographier chez le studio Harcourt, qui est le studio des grandes stars de cinéma. Voilà, donc ça montre aussi le niveau d'ego, le niveau de suffisance, le niveau de... j'ai plus de mots. Ouais, mais c'est incroyable parce que... Et vous me tendez la perche, Antoine Martin, là-dessus, parce que je trouve que c'est assez intéressant ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à ça, parce que je vous invite d'ailleurs, chers amis, à lire ce livre, parce qu'il est passionnant. C'est fait sous forme de fiction, mais comme vous le dites, tout ce que vous dites est vrai, vous l'avez vécu, et allez le lire, vraiment, allez le lire. On arrive à la dernière partie de l'émission, à la fin de l'émission là-dessus, parce qu'on a quand même l'impression aujourd'hui que là, vu l'effondrement de la France sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, parce qu'on a entendu Macron nous dire qu'il fallait changer de modèle en mars 2020, je crois. On a changé absolument rien du tout. On continue à faire n'importe quoi. Et maintenant, c'est feu. Il y a le feu au lac. Et puis, c'est courage fuyant. Et puis, il ne nous reste plus qu'Agnès Pannier-Runacher et Babette Borne. Donc, c'est compliqué. Finalement, est-ce que ce n'est pas la fin de la supercherie de ces grands corps d'État dont on a vu, du moins c'est ce que je le comprends dans votre livre et connaissant un peu le sujet, dont on est en train de voir qu'ils ont amené la France dans le mur et même, je pense, qu'ils sont aussi en partie responsables de l'effondrement de ce pays total qui, à mon avis, va aller très loin, malheureusement, pour nous tous. Hein. Je pense aussi, oui, qu'ils en sont responsables. Je pense qu'ils en sont responsables parce que beaucoup mentent au pays. Beaucoup manipulent la population et ne disent évidemment pas la vérité sur énormément de sujets. Et donc, ça veut dire que le contrat social est cassé, totalement cassé. L'articulation ne fonctionne plus. Et ces gens se rendent bien compte que l'articulation ne fonctionne plus entre eux et le peuple. Donc, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est un renforcement encore de la manipulation, un renforcement encore du mensonge, et aussi un renforcement, et là, c'est plus dramatique, de la surveillance, et un renforcement aussi de l'autorité. De la répression. De la répression, voilà. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Parce qu'ils sentent bien que la population est en train de leur échapper. Les Gilets jaunes leur ont fait comprendre que c'était les premières secousses sismiques qui arrivaient et qui prévoyaient peut-être d'autres choses. Moi, je crois aujourd'hui qu'on est dans une escroquerie, hein, ce système est une véritable escroquerie. Démocratiquement, c'est dramatique. C'est dramatique parce que on a une population qui effectivement n'y croit plus. Ce que j'ai remarqué, c'est que, c'est très rassurant, c'est que on peut ne pas du tout être conscient des très grands enjeux, de la complexité, etc. Mais la population comprend. Les gens ont l'intuition, ils sentent bien que. Alors, ils ne vont pas mettre des mots dessus, ils ne vont pas pouvoir parler comme un énarque ou faire un discours sur le sujet. Mais à la limite, ce n'est pas la question. Ils sentent bien que les choses se dégradent, ils sentent bien que cette caste est à bout de souffle, que cette caste ne cherche qu'une seule chose, sa reproduction et sa pérennité. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est très grave, c'est que je pense que cette caste aura tous les moyens pour s'en sortir avant la population. Vous voyez. Malheureusement, mais j'ai envie de vous dire finalement, et c'est intéressant ce point que vous abordez là-dessus, parce que je dis souvent effectivement qu'il y a une partie des Français, bon,
rappelons tout de même que depuis les Gilets jaunes, Paul-Antoine, les crises successives ont fait aussi que les gens avaient l'appel du ventre, se réinforment et comprennent et essayent de comprendre. Et je pense qu'aussi une partie de la population, et là je partage votre avis, qui n'a pas conscience de son déclassement, n'a conscience que de l'inflation, n'a conscience finalement qu'elle est en train de se paupériser, mais n'a pas conscience de son déclassement. Mais là, l'effondrement est tel qu'on peut commencer à espérer qu'une partie de la population non négligeable s'agrège à ce qu'avaient été les Gilets jaunes, canal historique, toujours pareil, je précise, et que ces élites-là, ces hauts fonctionnaires, ces castes d'État, se retrouvent incessamment sous peu face à une population paupérisée, précarisée et pire, affamée. Comment vont-ils faire à ce moment-là, selon vous? Ils vont prendre un bateau? Ils peuvent prendre soit le bateau, soit les gros, je sais pas comment ça s'appelle, les chars d'assaut là qu'ils ont commandés. Ah oui, les Centaures, le nouveau char blindé, voilà. Nouvelle génération de gendarmerie. Oui. Mmh. Mais c'est effectivement ce qui se passe, c'est effectivement ce qu'ils prévoient. Mais là, le gros problème, c'est le si on renverse la table. Mmh. Toutes les révolutions montrent que ça ne profite pas à ceux qui sont les plus démunis. Mmh. Jamais. Jamais, ça profite à ceux qui sont les plus malins. Les plus malins, ils ont aujourd'hui le pouvoir. Donc, comment modifier ça? Ça passe probablement sur la durée. Moi, je ne crois pas du tout à un renversement de table. Je pense que ça serait tragique. Ce serait absolument tragique et ça n'aboutirait à rien. Ça détruirait beaucoup plus le pays qu'autre chose. Mais il y a un besoin d'exigence, de formation de ces gens et de rendre des comptes. Ils ne rendent pas de comptes. Moi, j'ai vu des gens affaiblir un outil industriel dont ils avaient la charge. Et puis, n'avoir aucun compte à rendre, ne rien payer, entre guillemets. Ils étaient protégés et aujourd'hui, ils sont sur un autre poste et tout va bien. Dans le privé, vous faites le dixième de ça, vous finissez dehors. Ah oui, oui, c'est sûr. Sans problème. Ah oui, c'est sûr, oui. Donc, quand on peut se permettre ce genre de choses et qu'on risque rien et qu'on reste toujours dans l'autisme et toujours, toujours convaincu qu'on avait raison, ça ne peut rien produire de bon. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut qu'il y ait, comment dire, là, je pense que là, ce que disait Emmanuel Macron le 24 avril 2019, on trouve cette vidéo sur YouTube, est fondamentale. La vraie solution, elle passe par là. Elle passe par là, mais est-ce qu'il est même lui assez fort pour faire appliquer ce genre de choses? On n'en prend pas le chemin tout de même avec lui, hein. On n'en prend pas le chemin. C'est le vrai risque. On n'a pas parlé de ça. Il y a les hauts fonctionnaires, les corps d'État, mais on n'a pas parlé aussi, ça fera trop d'émissions, et on refera peut-être une émission là-dessus, parce que je pense que vous avez un avis aussi intéressant. On n'a pas parlé de la technocratie bruxelloise qui a fini d'achever notre pays aussi. Votre pays. C'est du moins, ça, c'est ce que je pense, hein, du moins. Voilà. Alors, est-ce que vous... Alors, je vais vous poser une question. Je vais me permettre de vous poser une question. Mais allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous savez... pourquoi la création du Parlement européen et de toute l'administration européenne n'a pas inquiété nos hauts fonctionnaires? Ça aurait pu, parce que j'imagine qu'il y a des collusions aussi, j'imagine, non. C'était une perte de pouvoir, éventuellement une perte de poste, oui. Oui. Ben non, vous allez me le dire, c'est très intéressant. C'était ma question en l'envers de McKinsey, voilà, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est qu'on leur a promis des super autres postes à Bruxelles. Voilà. Super payés, non imposés, avec des carrières dans un dédale administratif absolument fabuleux. Bilan, ils étaient tous d'accord. Donc ça a créé une aspiration de nouveaux postes et de revenus, parce que là-bas, ils gagnent beaucoup plus que dans la haute fonction publique à Paris, par exemple. Vous voyez ? Voilà, c'est ce genre de choses qui fait que on ne recrute pas les meilleurs, c'est ça qui est... Et quand je dis les meilleurs, c'est... Je ne dis pas intellectuellement, parce que j'ai vu des gens qui intellectuellement fonctionnent très très bien, mais intellectuellement, humainement, courage, audace, etc. Vous voyez des gens qui ont la nation chevillée au corps. Honnête, et qui travaillent pour l'intérêt général, quoi. Qui travaillent pour le bien collectif et la protection des Français, et surtout la sérénité et surtout la pérennisation de ce pays.
Mais là, c'est intéressant. On finit là-dessus parce qu'on a largement explosé le temps, mais c'est pas grave, on finit là-dessus. On a quand même l'impression, j'insiste sur cette idée. Quand vous nous dites, quand on lit votre livre, et je vous invite à le lire très très vite, à le commander chez votre libraire à côté de chez vous, vous allez mieux comprendre aussi ce qui risque de se passer dans les prochains jours. Mais je veux dire, on arrive vraiment à la fin de la bobine, là. Ces gens ne peuvent plus tenir en place. Ils ont détruit le pays sous tous ses aspects, sous les choses les plus élémentaires. Regardez, il y a des manques de Doliprane, des manques de produits, même des manques de médicaments. Il y a l'énergie est à sec. Et ils vont nous faire une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage qui est directement dictée à Bruxelles, malgré ce que nous disent nos services, nos médias mainstream, là, ils sont en train de pousser, à mon avis, le bouchon au maximum, sans se rendre compte de ce que ça va donner comme résultat, à mon avis. Oui, oui, oui. Ben, moi, je vais vous dire personnellement la situation dans laquelle je suis, après avoir vu de très près certains de ces personnages-là, je ne crois plus en rien de ce qui est dit. En rien. C'est dramatique. C'est dramatique pour un citoyen de se dire « je ne peux rien croire de ce que ces gens disent ». Et je sais aujourd'hui que, parce que je l'ai vécu pendant des années, qu'il ne faut rien croire, mais absolument rien croire. C'est terrible de vivre dans un univers comme ça, où vous ne pouvez absolument pas croire ce que l'autorité vous dit. C'est effectivement un moment très difficile et qui crée un véritable conflit éthique en soi. Mais c'est la fin du contrat social, Paul Antoine, parce que finalement, c'est de se dire aussi, c'est de s'extraire de la tête le fait que le postulat de départ en disant l'État est là pour nous protéger n'est plus vrai, n'est plus bon. Et ça renverse aussi le fait que, quand on voit la répression qu'il y a sur les manifestants de toutes sortes, hein, des gilets jaunes, la réforme des retraites, 2019, ça a été très violent, je les ai faites, le convoi de la liberté aussi, quoi qu'on en pense, il y a eu beaucoup de répression, j'ai fait les manifestations, finalement, on a l'impression que c'est camp contre camp maintenant. C'est ça qui est terrible dans ce pays. Oui, c'est petit camp contre le reste. C'est petit camp contre le reste. Mais rappelez-vous ce que disait le préfet de police. On n'est pas dans le même camp. Oui, oui, Didier Lallemand. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, pour faire en sorte que ça ne frotte pas trop durement entre les camps, ben vous avez la manipulation et le mensonge. Oui. Ça, c'est l'huile qu'on met entre les deux. Alors, combien de temps ça dure? C'est toute la question. C'est toute la question. Mais il y en a qui sont très, très forts pour mettre de l'huile. Moi, j'ai même entendu cette expression. On va mettre un peu d'huile dans le système. C'est très imagé toujours, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, mais c'est sûr, j'ai envie de vous dire qu'avec les champions du monde qu'on a au gouvernement, je vais vous lire une phrase d'Elisabeth Borne qui était sur France Inter. Là, je ne sais pas de quelle année est l'huile, mais elle nous a dit qu'Elisabeth Borne, pour défendre sa réforme inique, que j'estime comme inique, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là n'est pas la question ce soir, elle dit sur France Inter, les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps. Voilà l'huile dans les rouages de mamie d'Elisabeth Borne. Vous imaginez ce genre de déclaration, c'est toute la journée. Donc j'ai l'impression que là, malheureusement, et je le déplore, qu'à un moment donné, l'affrontement, il est inévitable quand vous avez une caste au pouvoir comme ça, où vous avez notamment une première ministre qui dit ça. Là, je crois qu'effectivement, la question de l'huile, elle se pose maintenant. Oui, oui, mais c'est dramatique parce qu'à un moment donné, ils se rendent plus compte. Et là, on a atteint la trahison, quoi. On a atteint des niveaux absurde, quoi. Absurde. C'est-à-dire que ce qui est absurde, c'est... vous savez, moi, quand j'ai commencé à parler, c'est encore un fait très personnel, mais qui en dit tellement long sur ce que vivent les gens aujourd'hui. Quand j'ai... Déjà, Radio Courtoisie, c'était très, très intéressant. Ensuite, chez Sud Radio. Donc, ces deux émissions en live, et je pense que ça va être pareil ce soir, il va y avoir tout un tas de commentaires, je ne les vois pas, mais il va y en avoir aussi. Il y en a beaucoup, oui. J'ai reçu des centaines de commentaires me dire à quel point je suis courageux. Et moi, je trouve ça étonnant. Alors, peut-être qu'il y en a certains, je vous dis, ils ne s'embêtent pas dans les méthodes. Hein, et peut-être qu'effectivement, on va m'attendre avec violence. Mais je l'assume complètement. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire aujourd'hui. Et on est coupable si on ne le dit pas et si on les a vues. Donc, je veux le dire. Et quand j'ai produit ce livre, quand je l'ai écrit sur assez longtemps, parce que
j'ai commencé à l'écrire parce que j'ai vu un fait absolument ignoble produit par un de ces personnages-là. Et j'ai été profondément choqué. Là, ça a commencé à casser complètement ce en quoi je pouvais encore un peu croire. Et je me suis dit, il faut noter, il faut écrire, il faut raconter. Et quand j'ai dit autour de moi, voilà, je vais faire un livre sur la haute fonction publique et dire ce que je vois, etc. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit, c'est passionnant, dès qu'il sort, je veux le lire, hein, déjà. Donc c'est vraiment un sujet de société aujourd'hui. Et deux, il rajoutait, mais qu'est-ce que tu es courageux. Et ça dit tout. Ça dit qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, le fait qu'ils parlent comme ça, ils considèrent eux-mêmes qu'il y a une mafia à la tête de l'État. C'est vraiment... Ouais. Et c'est effrayant, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est notre boulot à nous de vous inviter pour en parler, parce que c'est vrai que c'est notre travail et qu'on imagine peut-être qu'on vous verra peut-être dans des médias mainstream, allez savoir, peut-être la matinale de France Inter ou la matinale de France Info, vous irez peut-être sur BFM ou LCI, on verra. Mais en tout cas, moi, je suis très content de vous avoir reçu, en tout cas, Paul-Antoine Martin. Merci beaucoup. Et moi, je suis très content aussi. Même si ça a été très compliqué d'arriver jusque-là et que je suis très, 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 très fatigué, oui, je suis très content. Ça ne s'est pas vu. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. On arrive à la fin de cette émission. Chers amis, Paul-Antoine Martin, achetez-le. Le Clan des Seigneurs, une plongée sidérante au cœur d'une caste d'État, chez aux éditions Max Milo. Achetez-le, jetez-vous dessus. Cette semaine, chers amis, il n'y aura pas d'émission parce que nous serons, bien entendu, sur les manifestations, sur ce qui va se passer. Donc, vous pouvez me retrouver sur Pouch Pro Média, sur mon Twitter, sur notre chaîne Telegram. En tout cas, continuez à suivre Pouch, parce qu'il y aura peut-être des vidéos aussi qu'on va tourner, notamment dans les manifs qu'on va suivre cette semaine dans les grèves et blocages. On va être concentré là-dessus, donc il n'y aura pas d'émission. Les émissions repartiront dès lundi prochain. En tout cas, merci beaucoup à tous. Paul-Antoine Martin, je vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien. Merci Nicolas. Et merci de la confiance que nous accordez à venir sur nos médias indépendants pour venir vous exprimer et nous raconter ce que vous avez vu de cette caste d'État. Très belle chaîne que vous avez là, Nicolas. Ben merci beaucoup. Je vous remercie de ces encouragements. Il faut développer. Vous faites partie des voix, des quelques voix aujourd'hui qui sont absolument nécessaires. Ben merci. Ben on essaie de faire ce boulot-là. Merci en tout cas de votre confiance, de vos amitiés à tous. On se retrouve bientôt, peut-être dans les manifs cette semaine, peut-être sur les blocages. Enfin, sur mon travail de journaliste, bien entendu. Vous savez que je suis un journaliste de terrain et que Pouch est partout où on peut être. Pour ça, pour se démultiplier, il faudrait des dons. N'hésitez pas à vous abonner à Pouch Média et continuer à soutenir. Bien entendu, il n'y a que comme ça qu'on peut produire des émissions. D'ici là, achetez le livre de Paul-Antoine Martin. Nous, on se retrouve très très vite dès lundi prochain pour de nouvelles émissions. Et d'ici là, sur Telegram, sur Facebook, sur Twitter, et notamment surtout sur Pouch.media, le site d'actu en quotidien tous les jours. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye, Ville la démocratie. Salut, ciao, à lundi prochain.